Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du GABA. G-A-B-A -A pour acide gamino-butyrique. Un neurotransmetteur essentiel qui fait partie des quatre qui vont vous donner la puissance et l'équilibre du cerveau. Je rappelle, puisque j'ai fait les trois premières vidéos, les trois premières capsules sur la dopamine, la sérotonine et l'acétylcholine, que la dopamine va agir sur la puissance du cerveau qui vous donne le passage à l'action, qui vous donne la créativité. Et cette dopamine, elle est sécrétée par les cortex préfrontaux. Vous avez ensuite la sérotonine, qui est essentielle parce qu'elle vous apporte une sérénité, comme la dopamine et le dopant, la sérotonine et la sérénité. Et cette sérotonine va vous permettre d'apprécier la vie. Donc c'est l'antidote un petit peu à trop de dopamine, les gens qui sont trop dans le speed qui sont dopaminergiques, ont besoin de sérotonine pour ne pas rentrer dans le burn-out. C'est aussi simple que cela. La nature est bien faite, notre corps aussi, notre cerveau, ça fonctionne en bipole. L'acétylcholine, elle, permet la concentration, la mémorisation, la créativité, l'empathie, l'ouverture vers l'autre. Et cette acétylcholine a une caractéristique, c'est qu'elle agit sur la vitesse de transmission de l'influx entre neurones. Plus la vitesse est importante, et plus effectivement vous êtes créatif. Et quand la vitesse diminue, on peut voir ceci dans Alzheimer par exemple. Alzheimer est un manque d'acétylcholine, comme Parkinson est un manque de dopamine. Et nous avons le quatrième neurotransmetteur, les quatre mousquetaires donc, du cerveau, comme j'aime bien dire, c'est le GABA. Le GABA, lui, est à l'origine de, des cycles de transmission qu'envoient vos neurones. Quand le GABA est bien équilibré, la transmission se fait normalement. Quand il manque de GABA, la problématique, c'est que vous commencez à avoir des anxiétés, vous commencez à avoir donc des angoisses et vous avez du mal à vous concentrer. Le GABA vous permet d'être quelqu'un de planificateur, de bien organisé. Le manque de GABA fait en sorte que vous êtes totalement ahuri, vous êtes très spontané et vous ne savez pas dire non. Le GABA permet de savoir dire non dans la vie. Le manque de GABA vous, <laughs> vous empêche de dire non et vous savez surtout pas vous projeter, vous planifier des choses. Il est méthodique celui qui est sous l'emprise du GABA. Il est spontané celui qui manque de GABA. Alors si vous comprenez pourquoi vous avez du mal des fois à planifier les choses, que vous êtes angoissé, anxieux de l'avenir, surtout avec ce qui se passe dans le monde actuellement, eh bien, c'est peut-être qu'il vous faudrait recourir donc à une supplémentation en GABA. Il ne faut pas utiliser, attention, le GABA en association avec le Lexomil ou le Lysangzia parce que ça potentialise les effets, vous aurez des risques de somnolence donc en voiture et ou si vous utilisez des machines. Attention, je vais vous parler des compléments alimentaires et des produits principes actifs qui permettent de stimuler le GABA. Il va y avoir effectivement le GABA qu'on peut acheter en pharmacie dosé à 500 mg ou à 750 mg, il y a la glutamine, il y a le kudzu, la l et l'inositol. L'inositol qui est la fameuse vitamine B7. Mais attention sur l'emploi de la glutamine et du kudzu. Si vous êtes sous traitement anticancéreux, si vous avez effectivement un cancer hormonodépendant, si vous avez un cancer de la prostate, du sein ou si vous êtes effectivement euh, sous chimio, ne prenez pas de glutamine parce que ça va stimuler la croissance cellulaire et ne prenez surtout pas de kudzu. Le kudzu, qui est une plante chinoise, qui permet de pouvoir lutter contre le sevrage tabagique, c'est-à-dire lorsque vous avez des sensations de manque que vous arrêtez de fumer, eh bien le kudzu est super adapté. Vous avez également le kudzu qui est essentiel pour les gens qui veulent arrêter de boire ou se passer de drogue. Et vous allez voir tout ceci en image, comment ces cinq produits vont potentialiser à la fois votre GABA, votre clarté d'esprit, votre planification, réduire angoisse et stress. Alors, la première chose, c'est effectivement le GABA. Le pharma-GABA est une forme de GABA micronisée qui permet de ne pas être complètement dissous dans l'estomac, mais d'être absorbé au niveau intestinal. C'est la forme que je vous recommande. Elle est assez rare à trouver en pharmacie, mais si vous voulez un super GABA, c'est le PharmaGABA. La deuxième chose, c'est la glutamine. La glutamine, en dehors des femmes qui allaitent ou des femmes qui sont enceintes ou des risques de cancer dont je parlais tout à l'heure, c'est une molécule qui est beaucoup utilisée dans les salles de gym parce qu'elle permet de la récupération musculaire et de pouvoir augmenter la fibre musculaire. Mais elle a un deuxième atout. En plus, c'est qu'elle permet de pouvoir réparer votre intestin. Si vous êtes victime de porosité intestinale, si vous avez la maladie de Crohn, si vous avez la maladie céliaque, oui, la glutamine est essentielle parce qu'elle va vous permettre de retapisser votre paroi intestinale. Troisième effet, c'est que la glutamine est le précurseur du glutamate. Le glutamate, c'est un excitant encore plus puissant que la dopamine. Et ce glutamate se transforme très rapidement en acide gamino butyrique, le fameux GABA. Donc, pour avoir du GABA dans votre cerveau, il faut de la glutamine. Donc, vous avez la possibilité d'acheter du pharma GABA, comme je disais, d'acheter la glutamine. Et troisième produit super intéressant, le kudzu. De la même manière, attention au cancer. Attention au cancer, surtout hormonodépendant. Le kudzu est utilisé dans le sevrage tabagique. Mais surtout, le kudzu agit sur deux neurotransmetteurs. Il agit sur le GABA. Il agit sur la sérotonine. Grâce au kudzu, vous allez pouvoir vous adapter à la fois au manque. Vous allez réduire votre appétit. Vous allez pouvoir effectivement sevrer bah, toutes choses auxquelles vous étiez addict. Donc ça, c'est super bien parce que ça permet de se sortir de la dépendance dopaminergique à certains comportements. Et surtout, il augmente. En fait, le taux de sérotonine. Quand vous augmentez la sérotonine et le GABA, vous êtes zen, serein, relax. Vous avez également deux autres choses, la L-théanine et l'inositol. La L-théanine, qui est contenue dans le feuille de thé vert, est un acide aminé. Un acide aminé qui est très intéressant parce que, comme le thé vert contient de la caféine, il augmente l'énergie, il excite un petit peu, mais la L-théanine a un effet calmant. Donc elle a un effet anti-stress naturel, elle agit sur le système nerveux central, elle diminue le stress oxydatif et elle est absorbée par l'intestin grêle pour accéder au cerveau en passant la barrière hémato-encéphalique et donc agir au niveau du système nerveux central. En plus, elle favorise la concentration de dopamine et de sérotonine qui sont les deux hormones du bonheur pour la sérotonine, du plaisir pour la dopamine. Et en plus, elle favorise la production de GABA. Génial Dopamine, sérotonine, GABA que vous trouvez dans la L-théanine. Ensuite, l'inositol qu'on appelle aussi vitamine B7. C'est un sucre qui est indispensable à la vie. C'est une molécule organique cyclique constituée de 6 atomes de carbone. Chez l'homme, l'inositol est présent dans toutes les cellules de l'organisme et se trouve en concentration plus élevée dans le cristallin de l'œil, les reins, les testicules ainsi que dans le système nerveux central en particulier dans le cerveau. L'inositol est synthétisé par le corps humain à partir du glucose ce qui le différencie des autres vitamines. Chez l'homme, l'inositol provient en partie de son alimentation en végétaux, fruits et légumes, mais peut être synthétisé par l'organisme sous forme de myo-inositol. L'inositol intervient dans le métabolisme des lipides, dans la production cellulaire d'énergie et dans les processus de détoxication il entre notamment dans la composition du phosphatidylinositol un phospholipide de la membrane cellulaire l'inositol permet de calmer le cerveau au niveau du système nerveux central alors pharmagaba glutamine théanine kudzu et inositol vous le trouvez dans un superbe produit qui s'appelle le gabarel j'ai eu la chance de collaborer sur le produit gabarel grâce à au laboratoire Santarel et on a travaillé ensemble pour l'élaboration de cette formule. Il est sorti il y a maintenant plus d'un an et demi et ce produit a trouvé un succès extraordinaire chez toutes les personnes qui l'ont utilisé. En particulier, les coachs que je forme et les hypnos l'utilisent énormément pour les personnes qui ont des problèmes de stress, d'anxiété et même d'insomnie. Alors, Gabarel, vous pouvez l'acheter directement en cliquant là sous la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement des neurotransmetteurs de votre cerveau, l'acétylcholine, la dopamine, même l'ocytocine, les endorphines, vous saurez tout, tout, tout sur les neurotransmetteurs. En cliquant ici, vous accédez à ma formation sur les neurotransmetteurs que j'avais déjà commencé à élaborer au moment du neuroséminaire. Et vous allez également, dans quelques semaines, trouver une super formation qui s'appelle une formation sur la neurologie. Voilà, ça va être énorme parce que vous allez avoir plus de 250 vidéos avec mais des bonus incroyables pour faire du neurocoaching et deux autres formations qui arrivent, qui sont en cours de montage sur les hormones. Vous allez tout savoir, tout savoir sur les hormones. Et en tant que pharmacien, je vais aller au fond des choses pratico-pratiques pour vous permettre de bien utiliser votre cerveau, de comprendre les neurotransmetteurs et le fonctionnement de vos hormones pour vous donner plus d'énergie, plus de puissance et d'équilibre dans votre vie. Alors je vous souhaite une excellente journée remplie de dopamine, de sérotonine et de GABA. À bientôt!